Bonjour, numéro 9 de Kiné Vidéo. Qu'y a-t-il au sommaire de ce nouveau numéro? Je vous propose de les découvrir ensemble et en images. En orthopédie infantile, la douceur a fait ses preuves pour le traitement du pied bot varus équin. Voyage avec vue panoramique sur tout ce qui se fait en électrothérapie. Et puis descente au centre du genou rotulien avec les nouvelles méthodes de traitement. Suite de notre dossier consacré à l'orthopédie infantile, cette fois nous allons aborder les problèmes de malformation du pied et plus spécialement encore le pied bot varus équin. Dans ce domaine, la chirurgie est bien sûr une solution, mais sans doute une solution de dernier recours. En effet, dans le même temps, il existe des techniques de rééducation douce qui sont de plus en plus affinées. Fabien a eu 2 ans en juin, il est suivi depuis la naissance car il souffre d'un pied bot unilatéral droit. Après avoir été en consultation tous les jours, puis 3 fois par semaine, il n'a plus maintenant qu'une visite tous les 15 jours au service de rééducation polyvalente de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est Régine Chédeville, kinésithérapeute, qui s'est chargée du traitement, comme avec Adrien, sur lequel elle effectue un bilan clinique. Tu viens ? Entrez. Voilà. Entre les parents et l'enfant porteur d'un pied bot varus équin est primordial, car de cette première consultation va dépendre le bon résultat du traitement. Sur un plan technique, cette séance permet d'apprécier le degré de réductibilité du pied en équin. Ici, nous avons un équin de 35 degrés. En adduction globale du pied par rapport à la jambe, ici, nous avons une adduction d'environ 25 degrés. On appréciera aussi la morphologie globale du pied et savoir qu'un pied gros et court est plus difficile à réduire et à manipuler qu'un pied long et fin. De vue plantaire, on remarque le bord externe qui est convexe, le bord interne qui est concave. Des sillons peuvent être présents. Un sillon médiotarsien, traduisant l'adduction de l'articulation médiotarsienne, ou un sillon postéro-interne, traduisant l'équin et le varus calcanéen. Il ne faut pas oublier de rechercher les contractions musculaires afin d'éliminer un pied bot varus équin paralytique. Alors, le facteur causal positionnel intra-utérin existe certainement, mais il n'intervient que secondairement, car on sait que le pied bot idiopathique commence quand même plusieurs mois avant la naissance, et les échographies pendant la grossesse montrent des pieds bots dès le 4e ou le 5e mois de la vie intra-utérine. Donc quels sont les traitements qui existent? Alors les traitements du pied bot sont essentiellement à base de méthodes orthopédiques, c'est-à-dire la méthode fonctionnelle, kinésithérapie, posture, appareillage différents, mais la chirurgie a une place, et il semble que cette place soit de moins en moins importante. Car on peut arriver, dans probablement plus de la moitié des cas, à traiter un pied bot varus équin idiopathique sans opération. Et on a de meilleures chances d'obtenir un bon résultat. Donc, quelles sont les déformations occasionnées par un pied bot? Alors, le mieux pour comprendre un pied bot, c'est de regarder une pièce anatomique de dissection. Et sur cette image, on voit très bien que l'articulation tibio-tarsienne, qui est orientée dans le plan frontal, est tout à fait normale. Par contre, les déformations siègent dans l'astragale, dans le calcanéum, qui est caché en supination et en adduction, et également dans l'articulation médio-tarsienne. On voit donc, point fondamental, que les principaux défauts du pied bot sont très proximaux dans le pied et difficiles d'accès pour une prise manuelle kinésithérapique, ce qui souligne la difficulté du traitement. Le deuxième élément que l'on peut remarquer sur cette image, c'est que la plante du pied, dans le pied bot, regarde non pas en dedans, mais en arrière. Je vous rappelle que c'est une vue de face de la jambe et du pied. Et donc la supination du pied bot est assez particulière, puisque la plante ne regarde pas en dedans, mais en arrière. Donc maintenant, sur ce schéma? Alors sur ce schéma, on peut comprendre la déformation tridimensionnelle du pied bot. À gauche, on voit l'équin, qui est la déformation en flexion plantaire dans le plan sagittal. Au milieu, on voit l'adduction du pied, qui est la déformation avec la pointe du pied en dedans dans le plan horizontal. Et enfin, sur la droite, on voit la troisième composante, la supination, qui est la rotation du pied sur son axe longitudinal, avec la plante du pied qui regarde en arrière, comme nous l'avons dit.
Est-ce que ces trois composantes vont avoir le même traitement? Alors ces trois composantes vont être traitées de façon tout à fait distincte dans la théorie et il faudra savoir associer les différentes manœuvres dans la pratique courante. Mais pour la clarté de la compréhension, il faut les dissocier sur d'autres schémas. Alors il faut commencer par l'échinisme. Et pour l'échinisme, c'est un peu ce qui se passe lorsqu'un chirurgien veut corriger un équin. Il va falloir que le kinésithérapeute allonge ses structures, c'est-à-dire le tendon d'Achille, la capsule tibio-tarsienne postérieure et les parties molles postéro-externes. Il s'agit d'une vue externe avec la gaine des péroniers. Il faut donc que le kinésithérapeute abaisse la grosse tubérosité du calcanéum. Ceci était pour l'équin. Pour l'adduction, il y a un premier schéma qui nous fait comprendre que dans les articulations sous-astragaliennes, il y a ce que l'on appelle l'adduction du bloc calcanéopédieux. Alors c'est une adduction très importante à comprendre, car la pointe du pied tourne en dedans, alors que la grosse tubérosité tourne en dehors. L'axe de rotation, c'est l'axe de la jambe, qui passe par le ligament interosseux astragalo-calcanéen. Le kinésithérapeute va donc devoir faire des mouvements inverses de correction. Ils correspondent à ce schéma suivant. On voit que le kinésithérapeute devra porter la pointe du pied en dehors, alors que le calcanéum, la grosse tubérosité du calcanéum, devra être portée en dedans. Donc il y a un phénomène de couple du point de vue rotation que le kinésithérapeute doit réaliser. Enfin, ce dernier schéma montre que l'adduction du bloc calcanéopédieux, ce n'est pas tout. Il y a également l'adduction médiotarsienne. L'articulation médiotarsienne entre l'arrière-pied d'une part et l'avant-pied d'autre part doit être prise en charge pour le traitement puisque l'avant-pied doit être porté en dehors pour réaligner le bord externe du pied. Il ne faut pas oublier d'attraper le scaphoïde qui est un os qui est à proximité de la malléole tibiale et que le kinésithérapeute doit bien saisir pour lui faire suivre le mouvement de correction. Alors qu'en est-il de la supination? Mais la supination, on a annoncé que c'était une supination particulière. Et ces schémas font très bien comprendre que c'est une fausse supination. En effet, on a deux possibilités pour corriger ce pied beau que vous voyez représenté dans un plan frontal. Soit on commence par corriger l'adduction du pied, et le pied est réaligné, mais toujours dans le plan frontal de référence. Il ne restera plus à corriger que l'échinisme dans ce cas de figure, sans toucher à la supination. Dans la deuxième possibilité, on va commencer par corriger l'échinisme. Et on voit sur ce schéma que l'équin tibio-astragalien étant corrigé, le pied est redevenu plantigrade. C'est-à-dire que là encore, la supination s'est trouvée corrigée sans geste spécifique. Il ne restera plus, dans ce deuxième cas de figure, qu'à corriger l'adduction résiduelle. Donc on comprend bien qu'il y a en fait deux attitudes vicieuses principales dans le pied beau à corriger, l'échinisme et l'adduction. Et que de façon automatique, la supination sera corrigée. Donc, vous avez fait un bilan clinique. Maintenant, comment se passe une séance de rééducation? La séance doit se faire sur un bébé le plus parfaitement relâché possible. Au mieux, il peut être endormi. Coucou bébé, voilà. Et tous les gestes et les contentions du kinésithérapeute doivent être en rapport avec son autonomie et son développement psychomoteur. Sajjad est un petit bébé qui a deux mois et demi, qui présentait à la naissance des pieds bovarus équins bilatéraux et qui est suivi dans le service depuis la naissance. La rééducation consiste en des mobilisations passives, des stimulations musculaires et des moyens de contention. Les mobilisations doivent être douces, prudentes, attentives. Elles seront décrites ici pour un pied droit. Une première manœuvre globale de correction des attitudes vicieuses permet de tester la réductibilité du pied, de localiser les rétractions musculaires, ainsi que la capacité de relâchement musculaire de l'enfant. La main gauche saisit le squelette jambier par sa face antérieure, pince bimaléolaire tenue. La main droite empaume la face dorsale du pied, le calcanéum étant crocheté par l'index. On effectue une manœuvre d'abduction du pied. Devant cesser dès que l'enfant se manifeste. La manœuvre suivante consiste en la dérotation du bloc calcanéopédieux ainsi que la supination calcanéenne qui l'accompagne.
La main gauche saisit le squelette jambier par sa face antérieure. La main droite attrape la face plantaire du pied. Le calcanéum étant tenu entre le pouce et l'index. On effectue une manœuvre d'abduction du pied, si bien que la pointe du pied est attirée en dehors et la grosse tubérosité du calcanéum s'écarte de la malléole péronnière. En fin de mobilisation, on peut exercer de petites tractions verticales vers le bas sur le calcanéum pour étirer le tendon d'Achille. La correction de l'adduction et de la supination de l'articulation médio-tarsienne permet la décoaptation du scaphoïde par rapport à l'astragale. La main droite saisit la jambe cette fois-ci par la face postérieure et c'est la main gauche qui effectuera la manœuvre de correction. On peut y associer un étirement en profondeur de la voûte plantaire ainsi que de l'adducteur du gros orteil. La mobilisation se prolonge par l'étirement du tendon d'Achille pour obtenir une flexion dorsale positive. La main gauche attrape le squelette jambier par sa face antérieure. Le pouce et l'index droit saisissent le calcanéum et exercent des tractions douces vers le bas. Pour cette manœuvre, le pied reste en position neutre afin de n'agir que sur le tendon d'Achille. La réintégration de l'astragale est l'aboutissement de ces différentes manœuvres. Tais-toi, bébé. La saillie externe de la tête astragalienne s'efface, signant la correction de l'adduction du bloc calcanéopédieux et de l'articulation médio-tarsienne. La poulie astragalienne rentre sous la mortaise, ce qui signe la réduction de l'équin. Enfin, il faut pratiquer différentes stimulations musculaires. Elles interviendront lorsque la flexion dorsale sera devenue positive et que les rétractions auront lâché. Pour obtenir de bonnes contractions musculaires, il faut tenir le segment proximal genou fléchi. Pour la contraction des extenseurs, la stimulation se fera sur les orteils ou sur le coude pied. Pour la stimulation des péroniers, la stimulation se fera le long de la face externe de la jambe, sur le tubercule des péroniers ou sur le bord externe du pied. La recherche de la contraction du long péronier latéral avec abaissement du premier orteil sera nécessaire pour avoir un bon appui antéro-interne lors de la marche. Nous utilisons deux sortes de plaquettes, des plaquettes à bord rectiligne ou des plaquettes rédiformes. Avant d'installer le pied sur la plaquette, il faut protéger la peau avec de la teinture de bain joint, ou bien des compresses, ou bien un film plastique, ou bien de l'élastomousse. Le pied doit être fixé sur la plaquette pour obtenir une correction de l'avant-pied par rapport à l'arrière-pied, d'une part. D'autre part, pour que ce pied solidarisé fermement sur la plaquette puisse être corrigé par rapport à la jambe par un autre système de contention. Le bord interne du pied doit être posé le long du bord interne de la plaquette, le bord postérieur du pied le long du bord postérieur de la plaquette. Pendant la pose des deux premières bandes, on ne devra pas lâcher l'arrière-pied de la plaquette. Une bande antérieure qui permet de fixer l'avant-pied sur la plaquette. Une bande courte postérieure qui accroche le calcanéum, qui passe sous les malléoles et qui s'accroche de part et d'autre sous la plaquette. Une troisième bande adhésive est placée sous la plaquette à l'aplomb du calcanéum.
Le chef externe passe sur le coup de pied, passe sous la malléole interne, s'accroche sur la grosse tubérosité du calcanéum, repasse sous la malléole externe et s'accroche sous la plaquette. Le chef interne passe sur le coup de pied, puis sous la malléole externe, crochette la grosse tubérosité du calcanéum et vient s'impliquer sous le bord interne de la plaquette. Enfin, une bande adhésive élastique termine l'installation. Ça y est, tu es content, Sajjad ? Tu étais dur, hein, bébé. À la fin de l'opération, le calcanéum ne doit pas décoller de la plaquette. Le pied étant maintenant fixé sur la plaquette, différents moyens permettent de la posturer. Exemple, les attelles de Dennis Brown. Elles permettent un réglage progressif grâce à la barre articulée et à l'orientation des plaquettes. Elles agissent parfaitement sur la correction de l'adduction du pied, mais elles ne possèdent pas de système anti-équin. Aussi maintenant, on utilise plus souvent des systèmes unilatéraux associant une plaquette et une attelle, soit en plastique, soit en plâtre. Au début du traitement, on installe le pied posé sur la plaquette dans une attelle cruropédieuse en plastique ou en plâtre. Cette attelle est refaite en fonction de la taille de l'enfant et des progrès cliniques. Ce système peut être remplacé par un système plaquette plus élastoplaste, mais généralement le système se détend et devient inefficace. Lorsque le pied progresse, que la flexion dorsale devient positive, que l'enfant se corrige spontanément, on peut passer à un système sous le genou. De nouvelle fois, le pied est installé sur la plaquette et l'ensemble est glissé dans une attelle courte. À présent, une nouvelle attelle est en cours d'expérimentation. Elle se compose d'une semelle articulée au niveau de l'avant-pied et de l'arrière-pied, permettant la correction de l'un par rapport à l'autre. Cette semelle est reliée à une charnière multidirectionnelle, solidaire d'une embrasse de jambe, reliée à une embrasse de cuisse par un verrou de genou mobile en flexion-extension. Les embrasses sont réglables en largeur et en longueur, permettant l'utilisation de l'attelle pour une période de 2 à 3 mois. Cette attelle a l'avantage de pouvoir être installée dès le début de traitement et de suivre la correction selon ses différents réglages. Elle a satisfait le praticien par ses caractères techniques, fonctionnels et esthétiques. Le petit patient s'y est très bien adapté. Est-ce que le traitement d'un pied bot comporte des inconvénients et des risques ? Alors, le traitement d'un pied bot n'est pas une chose simple et donc comporte certains risques. Il est rare de nos jours de voir des gros désordres comme il en existait dans le temps, alors que la rééducation du pied bot était assez agressive. On voulait absolument arriver et on tirait beaucoup. Donc on voyait parfois des décollements épiphysaires de l'extrémité inférieure du tibia, des désordres des cartilages de croissance, des écrasements de la poulie astragalienne. On pouvait même voir des entorses. À présent, les risques sont plus soumis aux mobilisations qui sont mal faites. Par exemple, on peut très bien déshabiter le contenu de la coque talonnière du calcanéum en ne tirant que sur la peau. On peut provoquer des fausses réductions dans l'articulation médio-tarsienne en ne mobilisant que l'avant-pied. Et on transforme ainsi un pied bot varus équin en pied convexe iatrogène. D'autres risques sont provoqués par les moyens de contention, les sparadraps qui peuvent être trop serrés, les attelles qui sont ou trop petites, inadaptées, inconfortables, qui entraînent des escarres, voire même des paralysies, en particulier la paralysie du sciatique poplité externe. Maintenant, le traitement et la surveillance de ces enfants va jusqu'à quel âge ? Alors, le traitement n'est jamais terminé. Dans les premières années, si l'enfant se déplace bien, il faut espacer la rééducation, diminuer les contentions nocturnes et le chausser normalement. L'enfant sera suivi régulièrement par le chirurgien orthopédiste en guettant toujours une récidive
qui occasionnera la reprise du traitement orthopédique, soit par des plates de marche, soit par des attelles de nuit, soit par une reprise plus intense de la rééducation. Parfois, ce ne suffit quand même pas, et le recours à la chirurgie est alors nécessaire. Le pied bot était vraiment considéré comme un handicap. Maintenant, comment peut-on le considérer? Alors, il ne faut absolument pas le considérer comme un handicap. Il faut dédramatiser la situation tout au long du traitement. Que le traitement soit kinésithérapique ou assisté d'une chirurgie éventuelle, l'enfant doit être chaussé normalement et pratiquer tous les sports qu'il souhaite. D'une manière plus ou moins développée, l'électrothérapie est présente dans vos cabinets. C'est un adjuvant qui peut avoir sa place dans les programmes de rééducation, mais entre l'émetteur infrarouge et le laser hélium-néon, il y a plusieurs décennies d'écart. Aujourd'hui, beaucoup d'appareils d'électrothérapie sont proposés sur le marché. Malheureusement, très souvent, le mode d'emploi fourni ne permet pas la meilleure utilisation de ces appareils. Alors, nous n'allons pas ici vous faire un catalogue des différents constructeurs, mais plutôt un exposé général sur les différents courants utilisés et leurs applications. Et comme c'est notre habitude, nous avons fait appel à un spécialiste, en l'occurrence Francis Crépon, enseignant en électrothérapie. L'électrophysiothérapie comprend trois grandes parties. Premièrement, l'électrothérapie proprement dite, et qui consiste à appliquer des courants électriques sur les téguments par l'intermédiaire d'électrodes. Deuxièmement, les ondes électromagnétiques que l'on distingue sous deux noms, la thermothérapie pour les ondes courtes, les ondes centimétriques et les rayons infrarouges, et l'actinothérapie pour les infrarouges et les ultraviolets. Enfin, troisièmement, les ondes mécaniques, c'est-à-dire les infrasons, les vibrations sonores et les ultrasons. Commençons donc par la première grande partie, c'est-à-dire l'électrothérapie proprement dite, l'application des courants électriques sur les téguments. Les courants électriques se définissent en fonction de leur état et en fonction de leur direction. Commençons par leur état. Les courants électriques peuvent se présenter à l'état constant ou à l'état variable. Les courants à l'état constant, c'est le courant continu ou courant galvanique, toujours unidirectionnel. Le courant à l'état variable, c'est un courant composé d'impulsions de basse fréquence. En électrothérapie, pour l'électrostimulation, on utilise des fréquences qui vont de 2 à 100 Hz et qui permet de pratiquer l'électrostimulation antalgique et excitomotrice. Les courants à l'état variable peuvent être unidirectionnels ou bidirectionnels. Voyons maintenant la classification des courants en fonction de leur direction. Les courants unidirectionnels sont des courants polarisés. C'est-à-dire qu'ils portent un pôle positif et un pôle négatif, et par conséquent des effets d'électrolyse. Ces effets d'électrolyse permettent de faire passer des ions d'une électrode à l'autre, c'est ce qu'on appelle la diélectrolyse médicamenteuse ou ionisation. Mais ces effets électrolytiques provoquent également un risque important de brûlure chimique de la peau, par formation d'acide à l'anode et de base à la cathode. Les courants unidirectionnels présentent donc une grande contre-indication. On ne peut pas les appliquer sur des zones qui présentent du matériel métallique intratissulaire, d'une part, et d'autre part, il faut respecter un protocole très précis pour le réglage de l'intensité si on ne veut pas obtenir de brûlure cutanée. C'est la raison pour laquelle on limitera l'action des courants unidirectionnels, l'application plutôt des courants unidirectionnels, à deux grandes catégories que nous verrons tout à l'heure, et que dans tous les autres cas, on choisira plutôt les courants bidirectionnels. Voyons donc maintenant les courants bidirectionnels. Leur polarité change à chaque impulsion. En conséquence, il n'y a plus d'effet polaire. Donc, il n'y a plus d'électrolyse, mais il n'y a plus non plus de risque de brûlure chimique de la peau. C'est donc ceci que nous choisirons pour l'électrostimulation, puisqu'ils ont, de par leur absence de direction, l'avantage de ne pas brûler, d'être plus confortable et par conséquent beaucoup plus fiable. Nous allons voir maintenant ces applications et nous allons commencer par les deux grandes applications des courants unidirectionnels. Première modalité d'application des courants unidirectionnels,
le courant continu qu'on utilise pour le traitement de l'hyperhidrose et pour la diélectrolyse médicamenteuse ou ionisation. Dans tous les cas, la séance durera environ 30 minutes. Et pour éviter les risques de brûlure chimique de la peau, nous devrons régler l'intensité selon un protocole très précis et progressif, qui ira de 0,01 milliampères à 0,05 milliampères maximum par centimètre carré de surface de la plus petite électrode. Nous allons voir les applications pratiques du courant continu et tout d'abord le traitement de l'hyperhidrose palmaire ou plantaire par le bain galvanique à l'eau naturelle. Il faut bien évidemment deux bassines différentes pour chaque pied ou chaque main, une pour chaque pied, une pour chaque main, et surtout éviter tout contact entre l'électrode et le pied ou la main du patient, ce qui risquerait d'entraîner des brûlures graves. C'est pour cela que nous interposons des caillebotis en matière plastique avant d'immerger le pied du patient. Pour calculer l'intensité du courant galvanique, on considère la surface de peau immergée d'un seul pied et on applique la règle des 0,01 à 0,05 milliampères par centimètre carré de surface. Ce qui nous donnera, pour un pied de 300 cm carrés de surface immergée, une intensité de 3 milliampères à la première séance, 6 milliampères à la deuxième séance, 9 milliampères à la troisième, 12 à la quatrième séance, et enfin 15 milliampères pour la cinquième séance et les suivantes. Autre application du courant continu, la diélectrolyse médicamenteuse ou ionisation. L'éponge est imbibée du produit à ioniser. On la raccorde à l'électrode de même signe que l'ion actif de ce produit et on l'applique sur la zone à traiter. En regard, on applique l'électrode indifférente. Pour le calcul de l'intensité du courant galvanique, on appliquera la règle des 0,01 à 0,05 milliampères par centimètre carré de surface de la plus petite électrode, ceci pour une séance de 30 minutes. Sur ce courant galvanique, il est toujours intéressant de superposer un courant de basse fréquence afin d'associer les effets de l'ionisation et ceux de l'électrostimulation antalgique et excitomotrice. Deuxième modalité d'application des courants unidirectionnels, et les impulsions de longue durée pour stimuler les fibres musculaires dénervées. Si le muscle est totalement dénervé, on emploie des impulsions rectangulaires de longue durée. Si le muscle n'est que partiellement dénervé, on emploie des impulsions progressives de longue durée afin d'éliminer la contraction des fibres musculaires normalement innervées. 4 à 5 impulsions par jour et par muscle suffisent pour entretenir la contractilité et prévenir la fibrose en attendant la réinnervation. En effet, un excès de stimulation ou l'utilisation de courants tétanisants sont contre-indiqués car ils retarderaient la réinnervation. Dans tous les autres cas, pour pratiquer l'électrostimulation antalgique ou excitomotrice, on utilisera des impulsions dont les paramètres associent efficacité, confort et innocuité. Francis Crépon a défini ces paramètres conformes aux données actuelles de la neurophysiologie. Premièrement, un début brusque, car la stimulation est d'autant plus efficace que l'impulsion présente un front raide. Deuxièmement, une brève durée, car le confort pour le patient dépend de la brièveté de l'impulsion, celle-ci devant néanmoins être d'une durée suffisante pour stimuler efficacement. Troisièmement, des impulsions bidirectionnelles. Elles écartent tout risque de brûlure chimique des tissus et sont utilisables pendant des séances de longue durée. Enfin, quatrièmement, la combinaison des deux paramètres fréquence et intensité permet de distinguer trois grandes catégories de courants d'électrostimulation que nous appellerons antalgique par inhibition sensitive segmentaire, antalgique par libération d'endorphines ou encore excitomoteur tétanisant trophique. Les courants antalgiques
par inhibition sensitive segmentaire, repose sur la théorie du gate control. On les utilise pour traiter les douleurs aiguës et localisées, et nous avons pris comme exemple aujourd'hui l'entorse récente de la cheville. Nous utilisons des courants de fréquence 50 à 100 Hz, composés d'impulsions bidirectionnelles de brève durée et d'intensité faible. On peut utiliser plusieurs types de courants, parmi lesquels les courants de haut voltage, ou ceux que nous utilisons ici, les courants à variation d'intensité et de fréquence, destinés à limiter les phénomènes d'accoutumance. L'électrostimulation antalgique peut également se pratiquer avec des petits stimulateurs portables qui permettent des traitements ambulatoires. Sur ces appareils, on trouve exactement les mêmes réglages, c'est-à-dire l'intensité de chaque canal, la fréquence des impulsions, la durée des impulsions, leur rythme et leur modulation. Les courants antalgiques par libération d'endorphines sont utilisés pour traiter les douleurs chroniques ou diffuses, par exemple la lombalgie. Pour ce traitement, nous appliquons un protocole qui est basé sur l'expérimentation de Krillhart, c'est-à-dire que pour une stimulation de 30 minutes, nous utilisons des électrodes de grande surface, une fréquence de 4 à 6 Hz et surtout une intensité de stimulation élevée, la plus forte intensité que le patient peut supporter sans toutefois arriver au seuil de la douleur, mais qui provoque néanmoins des secousses élémentaires. Les courants excitomoteurs tétanisants trophiques sont utilisés pour traiter les contractures douloureuses et les amyotrophies sans dénervation. Dans le cas présent, nous traitons une amyotrophie du quadriceps et nous utilisons des fréquences de 30 à 60 Hz en courant rythmé, c'est-à-dire que le courant est intermittent, découpé en temps de travail et temps de repos. Par ailleurs, nous utilisons des courants bidirectionnels asymétriques inversés qui permettent à la fois de localiser la stimulation sous l'une puis l'autre électrode et d'inverser cette localisation afin de provoquer un pétrissage musculaire trophique. Les courants excitomoteurs tétanisants s'utilisent également en rééducation assistée, c'est-à-dire en rééducation active aidée. Dans ce cas, le patient accompagne sa contraction active en déclenchant lui-même un train d'impulsion. Cette technique permet au patient de régler son rythme travail-repos et en même temps de régler le rythme de l'électrostimulation. Ce sont les mêmes courants excitomoteurs tétanisants, bidirectionnels, que l'on utilise également en rééducation périnéale pour le traitement des prolapsus et des incontinences. Les ondes courtes et les ondes centimétriques, qu'on appelle également micro-ondes ou ondes radar, provoquent une thermothérapie en profondeur et par conséquent une vasodilatation. Leurs principales indications sont les incidents musculaires sans lésion anatomique et les douleurs chroniques non inflammatoires. Le patient est installé sur une table ou sur une chaise en bois et on augmente l'intensité jusqu'à ce qu'il ressente une impression de douce chaleur. La séance pourra durer 10 à 20 minutes. Parmi les ondes électromagnétiques, on trouve aussi les rayons infrarouges qui, eux, provoquent aussi une thermothérapie, mais uniquement en surface. Les infrarouges sont utilisés comme adjuvant du massage, de la mobilisation active et de la mobilisation passive. Enfin, les ultraviolets, qui sont également des ondes électromagnétiques et qu'on utilise principalement pour leurs effets de pigmentation de la peau et pour leurs effets réflexes. Les ultrasons sont des ondes mécaniques de haute fréquence. Leurs effets sont thermiques, sclérolytiques et antalgiques. Leurs principales indications sont le traitement des processus fibreux au niveau des membres. À titre d'exemple, nous allons pratiquer le traitement des séquelles fibreuses, d'une entorse, du ligament latéral externe, de la cheville.
Nous pratiquons ce traitement en immersion, étant donné qu'il s'agit de la partie distale d'un membre. S'il s'agissait du traitement de la partie proximale d'un membre, nous appliquerions les ultrasons à l'aide d'un gel de contact. Nous utilisons actuellement une fréquence de 1 MHz et une puissance d'1 watt par centimètre carré pour une séance dont la durée sera d'environ 5 à 8 minutes. Pendant l'application, il faut pratiquer un léger massage afin d'éviter la formation d'ondes stationnaires. Parmi les autres indications des ultrasons, on peut citer les cicatrices, les adhérences, toutes les séquelles fibreuses, aussi bien des entorses que des lésions musculaires, et les tendinopathies chroniques. Les infrasons sont des vibrations mécaniques de basse fréquence. Leur principale propriété, c'est la fluidification des mucosités bronchiques. On utilise pour cela une fréquence proche de 13 Hz et on s'en sert pour faciliter le désencombrement bronchique. Soufflez, soufflez, soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Les vibrations sonores de 50 à 70 Hz provoque des illusions kinesthésiques. Appliquées sur des tendons, on les utilise principalement pour faciliter la récupération des amplitudes articulaires après immobilisation. En conclusion, cette vue d'ensemble pour un sujet aussi vaste n'est pas exhaustive, puisque pour chaque modalité d'application, nous n'avons donné qu'une indication à titre d'exemple. Comme le souligne Francis Crépon, les agents physiques ne prétendent pas remplacer le massage ni la mobilisation active ou passive. Mais en revanche, ils peuvent calmer la douleur, stimuler la musculature, favoriser l'atrophicité, lutter contre la fibrose et la stase. L'électrophysiothérapie est un adjuvant qui s'intègre dans la plupart des techniques de rééducation fonctionnelle, respiratoire et urogynécologique, principalement sous la forme de rééducation assistée, afin de faciliter la rééducation et d'améliorer ses résultats. Enfin, il est bien évident que le succès du traitement est conditionné par le choix de la technique spécifiquement adaptée à chaque pathologie. Voilà donc pour les différentes applications de l'électrothérapie. À ce stade de Kiné Vidéo, permettez-nous de vous donner une petite information. Si vous êtes habile et astucieux, si vous êtes également pédagogue et diplomate, et bien sûr, si vous êtes libre, vous pouvez être intéressé par Handicap International. Alors, pour en savoir plus, regardons ensemble ce qui suit. Loin de notre univers protégé, des enfants, des femmes et des hommes portent sur eux les stigmates de la barbarie et de la souffrance. Partout où il y a des populations en situation de dénuement, Handicap International est là pour aider, pour agir et pour soigner. Régulièrement, Handicap International a donc besoin d'éducateurs spécialisés, d'infirmiers et de kinésithérapeutes. En ce moment, 60 kinés sont répartis un peu partout, mais bien sûr, il faut renouveler ces volontaires du bout du monde. Pour des missions de 1 à 2 ans, on a aujourd'hui besoin de kinésithérapeutes au Laos, au Cambodge, au Vietnam, au Pakistan et aux Philippines. Pour tout renseignement, s'adresser à Yves Gometon, Handicap International à Lyon, téléphone 78 58 05 75 et Minitel 3615 code handicap. Voilà pour cette information que nous souhaitions vous faire passer. La page pratique est présente. Bien finalement, peu de nouveautés ont retenu notre attention cette fois-ci. En réalité, une seule nous a intéressés. Voyons cela. C'est tout petit et c'est bien pratique. Ce Rock Grip permet de faire travailler individuellement chacun des doigts. Idéal pour tous les volontaires de l'escalade à main nue, cet appareil permet de développer la musculature de l'avant-bras ainsi que le contrôle et la résistance des articulations de la main. Et même si l'on n'est pas grimpeur, cet appareil peut être également utilisé en phase finale dans certains cas de rééducation.
Depuis quelques années, les techniques chirurgicales et kinésithérapiques traitant du genou traumatique ligamentaire ont beaucoup évolué, progressé, vous le savez. En revanche, ce n'est pas exactement la même chose pour ce qui concerne le genou rotulien, une pathologie pourtant fréquente. Les travaux de diverses équipes permettent bien sûr d'évoluer, mais ces nouvelles connaissances n'ont pas encore parfaitement pénétré le quotidien des kinésithérapeutes. Alors ce que nous vous proposons ici, eh bien, c'est simplement une approche des traitements qu'il est possible aujourd'hui d'envisager. Le genou en appui oscille entre deux positions de stabilité extrême, le valgus flexion-rotation externe et le varus flexion-rotation interne. La rotule appartient, elle, au groupe musculaire antéro-postérieur constitué par le quadriceps et les jumeaux. Ce groupe musculaire a pour rôle primordial de maintenir la flexion du genou en appui. Il limite ainsi la fuite en avant du fémur sur le tibia, la contraction du quadriceps poussant ainsi le fémur en arrière, pendant que les jumeaux l'attirent dans le même sens. La rotule se déplace dans la poulie formée par la trochlée et les condyles. Le bord externe relevé de cette trochlée empêche ainsi la fuite en dehors de la rotule, comme la piste relevée empêche la voiture de s'échapper du virage. La rotule est maintenue par trois ligaments passifs, d'une part le tendon rotulien et d'autre part les ailerons externes et internes qui ne doivent être ni trop tendus ni trop lâches. Le tendon du quadriceps et ses vastes internes et externes jouent le rôle de ligament actif, ajustant constamment la position de la rotule. Dans la position de valgus flexion-rotation externe, les muscles ischio-jambiers internes, à savoir le demi-membraneux et la patte d'oie, limitent la rotation externe et le valgus du tibia sous le fémur. Dans la position en varus flexion-rotation interne, les haubans externes, à savoir fascia lata et biceps crural, limitent eux la rotation interne et le varus du tibia sous le fémur. Afin que la rotule ne se luxe pas en dehors, et que les pressions exercées sur sa face postérieure et sur la trochlée soient équitablement réparties, il faut que l'axe de l'appareil extenseur soit aligné, quelle que soit la position du genou, en flexion-rotation. L'alignement de cet axe est fonction de la position de la hanche et de celle du pied au sol. Ainsi, une rotation de hanche devra être compensée par une rotation du tibia sous le fémur. Par ailleurs, le jeu des muscles agissant sur le membre inférieur en appui doit concourir aussi à l'alignement de cet axe. Ces muscles sont le groupe antéro-postérieur qui limite la flexion et les ischio-jambiers, stabilisateurs des rotations. De ce constat, il résulte que le fonctionnement de l'articulation fémoro-patellaire dépend du membre inférieur dans son entier, à savoir de la morphologie osseuse, de la mobilité articulaire, de l'intégrité ligamentaire et enfin de la tonicité musculaire. François Deprez, on vient de voir le fonctionnement normal de l'articulation. Existe-t-il des causes anatomiques expliquant le dysfonctionnement de cette rotule ? Effectivement, les causes anatomiques du dysfonctionnement fémoro-patellaire sont nombreuses. Nous les verrons, si vous voulez bien, dans les trois plans de l'espace. Dans le plan frontal, tout d'abord, la cause la plus classique reste l'augmentation de l'angle Q. Cet angle Q est défini par, d'une part, la droite qui prolonge l'axe du tendon rotulien et, d'autre part, l'axe du quadriceps. Cet angle Q, grâce au valgus fémorotibial et à la position de la tubérosité, est chiffré entre 10 et 15 degrés sur un genou en extension. Sa valeur s'annule lorsque le genou est fléchi à 30 degrés, alignant ainsi l'appareil extenseur grâce à la rotation automatique du tibia sous le fémur. Toute augmentation de l'angle Q va augmenter la force subluxante externe au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. Cette augmentation peut être due soit à un genu valgum excessif ou plus souvent à une malposition tubérositaire externe. La deuxième cause d'introduction plus récente dans le plan frontal est représentée par la dysplasie trochléenne. Nous avons vu que la rotule est retenue lors de la flexion par la berge externe de la trochlée qui est relevée. Lorsque la pente de cette berge est inférieure à la normale, il peut se produire une échappée de la rotule vers l'extérieur. Cette dysplasie s'explore par des radiographies, non pas tant les radiographies fémoro-patellaires à 30 degrés de flexion que le cliché de profil strict du genou. En effet, sur ce cliché, nous voyons ici les berges de la trochlée et ici la ligne du fond de la trochlée. La distance représentée ici représente la profondeur de la trochlée, qui est ici une trochlée normale.
Vous avez une autre radio à nous présenter ? Sur cette radiographie, effectivement, on peut noter à la partie supérieure de la trochlée la superposition de la ligne du fond de la trochlée et des deux berges trochléennes. À cet endroit, la trochlée est donc plate. C'est une dysplasie avec le signe du croisement décrit par M. Dejour. Cette dysplasie peut être plus importante sur cette radio suivante, intéressant ainsi une partie plus grande de la trochlée, puisque toute cette partie est plate. Cette dysplasie prédomine toujours au pôle supérieur de la trochlée, siège de la luxation de la rotule. D'autres facteurs peuvent intervenir dans le plan frontal. Il peut s'agir effectivement d'une faillite des éléments capsulomusculaires internes, soit aileron interne distendu après une luxation de rotule, soit un vaste interne présentant une anomalie d'insertion. Il peut enfin s'agir d'une rétraction des haubans externes, vaste externe ou tenseur du fascia lata, et également d'une rétraction de l'aileron rotulien externe. Nous venons de voir les causes dans le plan frontal, maintenant en existe-t-il dans le plan sagittal? Effectivement, dans le plan sagittal, la rotule peut être soit trop basse, soit trop haute. Trop basse, les forces de plaquage au niveau de l'articulation fémoro-patellaire lors de la flexion seront augmentées et responsables de douleurs. Trop haute, la rotule ne sera pas encore engagée dans la trochlée lors du début de la flexion. Ces rotules trop hautes s'accompagnent souvent d'une rétraction du groupe antérieur. Cette rotule non engagée dans la trochlée sera alors susceptible de se luxer en cas de déséquilibre dans le plan frontal. On peut également observer, lorsque la rotule est trop haute, un conflit douloureux lors de l'engagement de la rotule dans la trochlée. Alors cette fois, dernier plan, dans le plan horizontal. Dans le plan horizontal, c'est le problème des torsions et des rotations au niveau du membre inférieur. On peut considérer le membre inférieur schématiquement comme une triple hélice à pas inversé. En effet, le fémur présente une antéversion qui est représentée ici par l'angle entre le col du fémur et les condyles fémoraux. Cette antéversion tourne le genou vers l'intérieur. La pince bimaléolaire, quant à elle, est ramenée vers l'extérieur par la torsion tibiale externe et l'axe du pied est ramené en dedans par la détorsion sous-maléolaire. Toute anomalie de ces torsions ou rotations peut entraîner un retentissement au niveau du genou et notamment au niveau de l'articulation fémoro-patellaire. En effet, lorsque l'antéversion fémorale est exagérée, on observe par différents mécanismes compensateurs une mise en position antéversée exagérée du bassin et cette antéversion fémorale peut également favoriser la mise en récurvatum du genou. Lorsque l'antéversion est exagérée, on observe également par un mécanisme d'enroulement musculaire du quadriceps un déplacement de la résultante quadricipitale qui devient plus oblique vers l'extérieur et augmente donc ainsi l'angle Q et la force subluxante externe. Au niveau de la tension tibiale externe, toute augmentation de cette torsion va entraîner une position plus externe de la tubérosité et donc de l'insertion du tendon rotulien, cela augmentant ainsi l'angle Q. Il en est de même de la rotation fémoro-tibiale. On voit donc ainsi qu'il faut considérer le membre inférieur dans son entier, puisque tout semble lié, de la position de la hanche à la position du pied, l'angle du pas étant déterminé par la somme des torsions et la position de la hanche lors de la marche. L'examen kinésithérapique du sujet présentant un problème rotulien commence debout. On se recule contre le mur, les fesses et les talons contre le plan du mur. Nous allons juger de l'axe mécanique du membre inférieur. Dans un premier temps, les pieds en position naturelle. Nous allons pouvoir juger de cet axe mécanique les pieds positionnés naturellement. Dans un deuxième temps, les pieds resserrés, talons joints, pieds parallèles, pour voir à ce moment-là, l'équilibre de l'axe des membres inférieurs. Ensuite, nous allons demander au patient de placer les rotules de face. Vous bougez vos pieds de façon à ce que les rotules regardent en avant. Parfait. L'examen du sujet debout se poursuit dans une position de profil. Nous allons pouvoir examiner les courbures de l'axe rachidien, la lordose lombaire, le bassin avec antéversion ou rétroversion, la tonicité musculaire antérieure et postérieure, et les axes mécaniques au niveau des articulations coxofémorales, genoux et chevilles. Nous allons pouvoir juger de l'angulation du membre inférieur dans son ensemble. Sur le sujet couché,
Nous allons examiner la position de la rotule par rapport à la tubérosité tibiale antérieure. Celle-ci doit se réaligner à 30 degrés. Évidemment, l'examen sera comparatif avec le côté opposé. Nous allons maintenant tester les mobilités articulaires, notamment au niveau de l'articulation coxo-fémorale, les rotations externes qui souvent sont limitées dans le cadre des subluxations externes de rotule. Cet examen, bien sûr, sera comparatif avec le côté opposé. Ensuite, nous allons tester la mobilité du tibia sous le fémur et notamment en rotation interne, de façon à sentir la restriction de mobilité de ce tibia sous le fémur. Dans un mouvement combiné de rotation externe de hanche et rotation interne du tibia, nous pouvons juger de la mobilité de l'axe mécanique du membre inférieur. Bien sûr, cet examen doit être comparatif avec le côté opposé. Pour mesurer le manque de mobilité en rotation externe de la hanche, il suffit simplement de descendre le pied sur la cuisse et de mesurer la distance entre le pied et l'épine iliaque antéro-supérieure, ce qui permet de comparer avec le côté opposé. Nous poursuivons l'examen kinésithérapique en évaluant l'élasticité musculaire. Ici, un étirement des haubans externes, haubans externes, fascia lata et biceps. Cet examen sera là aussi comparatif avec le côté opposé. Nous allons tester l'extensibilité du groupe antérieur. Nous approchons le talon de la fesse et comparativement avec le côté opposé, nous allons mesurer la distance talon-fesse. Nous pouvons juger ainsi de la restriction d'élasticité musculaire dans un des membres inférieurs. L'examen kinésithérapique a permis de montrer des restrictions de mobilité articulaire et d'élasticité musculaire. Ces restrictions étant, nous le pensons, en partie responsables du syndrome rotulien douloureux, retrouvons notre patient pour le traitement. Pour diminuer les tensions musculaires antérieures et externes, nous utilisons les techniques de massothérapie. Ici, une technique de massage réflexe, où nous allons tirer des traits à la fois dans le quadriceps, traits qui partent de l'épine iliaque antéro-inférieure pour poursuivre et venir se terminer sur le tendon quadricipital. Ce trait doit être lent, tiré, supporté par le malade avec une sensation de coupure avec l'ongle. On verra apparaître une coloration de la peau due à la décharge d'histamine. Ensuite, nous tirons des traits dans le fascia lata, sur les haubans externes, très lentement, pour aller terminer sur le tubercule de Gerdy. Ces techniques, assez difficiles à supporter pour le malade, le sont aussi par le praticien, parce qu'il faut constamment tenir le doigt, la pulpe du doigt, en contact avec les éléments à traiter. Le trait doit être lent, ici, pour la commodité de la démonstration. Nous augmentons un petit peu la vitesse de passage du trait. Après avoir cadré la partie antérieure du fascia lata, nous allons cadrer la partie postérieure de ce fascia lata et nous voyons apparaître l'hyperémie dans les plans sous-cutanés. Ces techniques de détente sont très efficaces
pour faciliter ensuite la mobilisation articulaire et les étirements musculaires. Les haubans externes rétractés ont besoin d'être étirés. Nous positionnons le bassin avec la main droite. Ensuite, nous procédons à un étirement des haubans externes. Relâchez-vous. Contractez. Voilà. Et la douleur longe toute la face externe de la cuisse. Biceps, étenseur du fascia latéral. On relâche. Il faut étirer le groupe antérieur rétracté. Pour ce faire, nous amenons le talon vers la fesse et nous demandons au sujet de serrer les fesses, serrer les fesses, serrer les fesses, serrer les fesses, afin de corriger la position du bassin. L'étirement se poursuit sur l'ensemble du muscle droit antérieur. Serrer, serrer, serrer et relâcher. Pour étirer le groupe antérieur, le patient se positionne debout, le pied contre la table. Ensuite, nous allons demander une bascule du bassin vers l'arrière, de l'ensemble du corps, en rentrant le ventre et en serrant les fesses de façon à corriger la position du bassin et que cette introversion étire le groupe antérieur. On y va, serrer les fesses, serrer fort les fesses et on maintient la position, hop, et on lâche. Ça va? On y va, on bascule le bassin, le corps vers l'arrière, pardon. Ensuite, on rentre le ventre, on serre les fesses, ça tire, et on tient une petite seconde, et on lâche repos. Pour gagner la mobilité en rotation externe, nous allons procéder comme suit. Vous poussez sur moi avec le pied, vous poussez sur ma main, poussez, poussez sur moi, poussez, hop, relâchez, 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 poussez, relâchez, poussez, relâchez, décontractez-vous. Nous constatons ainsi le gain de mobilité. Poussez sur moi. Relâchez, poussez, relâchez, détendez-vous, détendez-vous. Et repos. Nous allons mobiliser le tibia en rotation interne sous le fémur. Nous empaumons le tibia dans nos deux mains, le pied sous l'aisselle, et par un mouvement de rotation interne du tibia sous le fémur, nous gagnons sur la restriction de la mobilité en rotation interne. Ensuite, dans un mouvement combiné, nous travaillons à la fois la rotation externe de hanche et la rotation interne du tibia. Rotation externe de hanche, rotation interne du tibia. Rotation externe de hanche, rotation interne du tibia sous le fémur. Relâchez-vous, décontractez-vous. Après avoir étiré les haubans musculaires, rétractés, antérieurs et externes, mobilisé la hanche en rotation externe et le tibia en rotation interne, nous allons commencer le travail de musculation des ischio-jambiers, muscles qui participent à la stabilité rotatoire du genou, et notamment ces ischio-jambiers rotateurs internes. Nous allons demander aux patients d'effectuer des flexions en polythérapie, en demandant de tourner la pointe de pied vers l'intérieur de façon à privilégier les muscles rotateurs internes. Là, vous tournez votre pointe de pied vers l'intérieur doucement. Voilà, vous marquez un petit temps d'arrêt. Nous pensons qu'il vaut mieux privilégier le travail de ces muscles stabilisateurs rotatoires et non pas de renforcer le groupe musculaire antérieur qui déjà, lui, est suffisamment tonique. Dans le cadre de la rééducation des problèmes rotuliens, il est nécessaire, bien sûr, de travailler en appui. Pour cela, nous utilisons les plans instables et nous allons travailler en appui monopodal. Dans un premier temps, pour les problèmes rotuliens simples, de rotule haute, nous allons demander de travailler en appui, genou fléchi, vous levez l'autre jambe et vous maintenez la position. Ainsi,
Nous sollicitons tous les groupes musculaires, et notamment, bien sûr, le groupe antérieur, avec l'équilibre des vastes, l'équilibre du droit antérieur, pour la stabilisation du pied en appui. Reposez-vous. Lorsqu'il existe des tendances à la subluxation externe, pour réaligner l'appareil extenseur, nous allons demander de faire ce même exercice, mais en tournant le genou en varus rotation interne, position du genou tourné vers l'extérieur, mettez-vous en appui sur la jambe, levez le pied opposé, on maintient la position, et là, il va falloir veiller à l'équilibre du pied de façon à ne pas se mettre sur le bord externe et soulevez bien, maintenez le genou vers l'extérieur, bien, et là nous voyons que l'ensemble des muscles du membre inférieur travaillent dans le réalignement de l'appareil extenseur, reposez-vous. Dans l'évolution du programme de réadaptation proprioceptive, nous utilisons les trampolines inclinées et en plus, nous allons demander des sollicitations en déséquilibre en demandant de tourner un poids, maintenir la position genou fléchi. Et cet exercice doit se faire dans une position non douloureuse. Et nous voyons ici que nous réalignons l'axe mécanique du membre inférieur. Maintenez la position. Maintenant, vous reposez. Dans le cadre de la reprogrammation proprioceptive, en fin de traitement, nous pouvons utiliser l'élastique de façon à augmenter les sollicitations proprioceptives sur le genou en appui. Voilà, va plus loin encore. Voilà, voilà comme ça c'est bien encore. Voilà, encore. Voilà, encore un peu plus en arrière, genou bien fléchi. Encore le... Et repos, voilà. François Depré, toutes les techniques kinésithérapiques qui viennent de nous être présentées ont l'air en fait de régler tous les problèmes de rotule. Est-ce votre avis? Non. Il n'est bien sûr pas concevable de vouloir traiter toute la pathologie fémoro-patellaire par une rééducation, même bien conduite. En effet, certains patients vont présenter des anomalies morphologiques importantes et bénéficieront d'un geste chirurgical, de réaxation de leur appareil extenseur, qui les préparera à une nouvelle rééducation. Pour dégager la pose des indications, on peut se rapporter à la classification proposée par Henri Dejour en deux groupes, les instabilités et les syndromes rotuliens. L'instabilité de la rotule sera le fait de patients ayant présenté dans leurs antécédents au moins un épisode de luxation vraie de la rotule. Dans ces cas, les anomalies morphologiques seront souvent importantes et notamment la dysplasie trochléenne sera quasiment constante. On pourra noter d'autres anomalies, telles une rotule trop haute, une malposition tubérositaire externe ou un trouble de torsion. Dans ces cas, on comprend que l'effet de la kinésithérapie reste souvent limité. Alors, si vous dites qu'il y a des limites à ces traitements, que proposez-vous? Eh bien, au niveau de la chirurgie, il en est de même qu'au niveau de la kinésithérapie. La kinésithérapie actuelle n'est plus limitée à la rééducation simple du vaste interne. La chirurgie n'est plus uniquement la transposition de tubérosité. Il faudra effectivement corriger toutes les anomalies morphologiques qui auront été dépistées par le bilan clinique et paraclinique. Nous effectuerons donc une transposition de la tubérosité en cas de malposition tubérositaire externe. Nous effectuerons également des gestes sur les parties molles, qu'il s'agisse d'une retention capsulomusculaire interne, d'une section de l'aileron rotulien externe. Nous pourrons éventuellement effectuer une dérotation tibiale en cas de trouble de torsion ou une ostéotomie de la trochlée. Le dernier groupe de patients est le groupe des syndromes rotuliens. Dans ces cas, il s'agit de patients qui présentent une symptomatologie à type de douleur, de gonflement, de pseudo-blocage ou de dérobement, mais sans luxation vraie de la rotule. Dans ces cas, la trochlée est bien creusée. Les anomalies morphologiques existent, mais souvent, elles sont peu marquées. Dans ces cas-là, la rééducation pourra souvent être efficace. Cette classification est simple, mais il existe bien sûr de nombreux cas frontières pour lesquels il faudra se rappeler que la rééducation à visée fémoro-patellaire doit être rapidement efficace. En effet, si après quelques séances on aboutit à un échec ou à une aggravation du malade, il faudra redemander une consultation de façon à discuter à nouveau d'un éventuel geste chirurgical. C'est le moment de notre rubrique habituelle, la revue de presse. Plusieurs ouvrages intéressants sont parus ces dernières semaines, nous allons vous en faire part. Revue de presse et également, vous en avez l'habitude aussi, les rendez-vous que vous donne Kinévidéo. Le 30 novembre et le 1er décembre, vous avez rendez-vous pour les 22e journées de l'Institut National de la Kinésithérapie. Organisées à Paris, ces journées de l'INK
traiteront plus spécialement des différentes approches thérapeutiques du complexe articulaire de l'épaule. Sorti aux éditions Chiron d'un ouvrage traitant des étirements en pratique sportive, les rappels de physiologie mentionnés au fil des 120 pages du livre et surtout les schémas très bien conçus en font un ouvrage clair et facile d'emploi. Tout cela est d'autant plus vrai que les auteurs du livre sont des hommes de terrain. En effet, Christian Saint-Blanca et Marc Vernet sont des kinés de l'athlétisme et du football. Les éditions Frison-Roche proposent un livre sur la laser-thérapie, une méthode qui fut encensée avant d'être décriée. En tout cas, ce livre signé de Pierre Liévins fait le bilan de 10 ans de recherche menée à l'Université de Bruxelles. Et avec cet ouvrage très sérieux, voici enfin la présentation d'une bonne méthodologie. Toujours chez Frison-Roche, un livre consacré au verrouillage et protection de la colonne dorsolombaire. C'est le énième ouvrage traitant de ce sujet qui rend les rééducateurs si prolixes. Ici, l'apprentissage et l'exécution des exercices de verrouillage, les conseils pratiques et les rappels de biomécanique sont décrits simplement. Et du coup, la lecture de ce livre peut également être conseillée aux patients soucieux de s'informer. Joël Barthes vient de signer aux éditions Douin un livre très bien détaillé sur la pneumokinésithérapie. De l'embryologie à la pharmacologie, en passant par les techniques de la kinésithérapie ventilatoire, tout y est clairement expliqué. Manifestement, c'est un ouvrage de qualité et de référence. Et puis pour terminer, si vous cherchez le livre rare, vous pourrez sûrement le trouver au Centre de documentation de l'École nationale de kinésithérapie et de rééducation à Saint-Maurice. Ouvert à tous, le centre de documentation met à la disposition des professionnels et des étudiants quelques 5000 ouvrages et 800 thèses. De plus, cette bibliothèque où tout est classé par genre permet à tous de disposer régulièrement de 85 revues françaises et étrangères. Quant à l'image, elle est aussi bien présente puisqu'environ 150 réalisations vidéographiques sont disponibles. Ce centre de documentation est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le mercredi de 9h à 21h. Voilà, fin de ce numéro 9 de Kiné Vidéo. C'est le dernier numéro pour cette année 1990. Si vous souhaitez nous faire part de vos impressions ou simplement nous poser des questions, vous allez voir l'adresse apparaître comme d'habitude. Rendez-vous maintenant en 1991. Au revoir.